En tout cas, je pense qu'on n'a pas triché ce soir. On a fait beaucoup d'efforts. Personnellement, j'ai fini carbo, donc on a vraiment tout donné ce soir. On a toujours couru après le score, ce qui est compliqué, mais ce qui monte notre état d'esprit. On a su recoller au score à chaque fois. Et je pense qu'on a manqué de temps à la fin pour marquer ce troisième but, même si on a l'occasion en toute fin de match. Mais en tout cas, c'était un bon match de foot. Et voilà, on a peut-être mal négocié certaines phases de jeu défensives où on aurait dû être plus compact et laisser moins d'espace. Mais bon, voilà. Donc, il faut garder aussi ce qui a été bon, l'état d'esprit, le contenu du jeu, parce qu'on s'est créé aussi des opportunités. Et voilà, faut bien profiter de ces fêtes en famille, se reposer et repartir de l'avant à la rentrée. Non, je pense que le bilan est positif. On n'est pas décroché au classement, on est bien placé. Voilà, je pense qu'on aurait peut-être dû mieux négocier ces trois derniers matchs. On aurait pu mieux faire. Ça s'est joué à pas grand-chose à chaque fois sur les matchs, donc c'est dommage. Mais comme je l'ai dit, le bilan reste positif. On a quand même pas mal de points. Comme je l'ai dit, on est bien classé. On n'est pas largué au classement. Donc, il faut juste profiter des fêtes, se vider un peu la tête et être d'attaque dès la reprise. Offensivement, vous a impressionné cette équipe de Lille? Il y a des très bons joueurs, certes. Après, impressionné, je pense qu'on n'a pas pris l'eau non plus. Ils ont eu autant d'occasions que nous. Donc, impressionné, non. Après, c'est vrai qu'ils ont de très belles armes offensives, mais on en a aussi. Bah, l'année n'est pas finie, mais en tout cas, j'espère qu'il décrochera le titre du plus beau but. Non, je le vois bien, je vois qu'il va faire le geste. Donc c'est un joueur d'instinct. De toute façon, Andy, il est capable de tenter n'importe quel geste à n'importe quel moment. Et en plus, il y ajoute la puissance aussi. Donc c'est un but magnifique qui nous permet de revenir au score aussi. Et voilà, donc j'espère pour lui qu'il aura le titre à la fin de l'année. Qu'est-ce qui manque? Je sais pas. Peut-être éviter. On subit pas énormément d'occasions. On n'est jamais pris à la gorge, mais le peu d'occasions qu'on subit, parfois, ça fait but. Donc essayer un peu de gommer ça, d'être vraiment plus décisif défensivement, parce qu'à chaque match, on marque des buts. Et ce qui nous fait défaut à chaque fois, c'est d'en encaisser toujours plus que l'adversaire, pardon. Donc voilà, peut-être dans des temps un peu plus faibles pour nous, où on n'a pas le ballon, être vraiment un bloc compact et passer ces temps un peu de tempête, que je peux dire à certains moments du match, eh ben, les passer sans encaisser de but. Et parce qu'on sait qu'après, on arrive à repartir de l'avant. Donc, si on arrive à être vraiment solide dans ces périodes de match où on est un peu mis en difficulté, je pense que la plupart du temps, on ressortira avec un résultat positif.